Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, l'aile ou la cuisse. Non, mais vraiment, c'est ça. J'ai envie de dire, oui, complètement, vous êtes fous d'avaler ça. Piment indien rempli de crottes de souris, thé vert de Chine bourré de pesticides, faux safran marocain, viande de cheval transformée en bœuf, confiture de fraises sans fraises. Allez, c'est parti, on y va. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Elsie Charlie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie d'aborder avec vous un livre que j'ai lu récemment et qui m'a littéralement, on va dire, ouvert les yeux encore plus, du moins en tout cas, et que j'avais envie de partager avec vous. Parce que ça me paraît important de partager ce genre d'informations. Vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, vous êtes fous d'avaler ça. Donc on est sur le livre de Christophe Brusset. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris des petites notes dans le livre. L'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à une question que m'a posée une personne de ma communauté Instagram. Est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement d'acheter ce livre ? Eh bien, je fais cette vidéo du coup parce que pour moi, clairement, oui, ça vaut le coup d'acheter ce bouquin. C'est un livre qui m'a coûté 7,50€. Donc, autant vous dire que c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Alors, pour vous retracer un petit peu, je vais reprendre la quatrième de couverture. Donc, matières premières avariées, marchandises trafiquées, contrôle d'hygiène contourné, Christophe Brusset dénonce les multiples dérives dont il est depuis 20 ans le complice ou le témoin dans les coulisses de l'industrie agroalimentaire. À 44 ans, cet ingénieur de haut niveau, devenu dirigeant au sein de groupes internationaux, a décidé de faire son devoir et de briser la loi du silence. Piment indien rempli de crottes de souris, thé vert de Chine bourré de pesticides, faux safran marocain, viande de cheval transformée en bœuf, confiture de fraises sans fraises, origan coupé aux feuilles d'olivier, les arnaques qu'il révèle sont nombreuses, mais ses conseils rassemblés dans un guide de survie en magasin devaient vous permettre d'en déjouer la plupart. Donc là, on est vraiment sur un bouquin qui va parler de la course de vitesse planétaire entre les fraudeurs, hein, pour fournir tout simplement aux industriels des matières premières toujours moins chères, parce qu'on est vraiment là-dessus. Et donc là, en gros, c'est vraiment saisissant. Et puis alors, bon, moi, ce que j'aime quand même dans ce bouquin, c'est qu'il a un ton d'écriture qui est sur le ton de l'humour, qui est plutôt pas mal, qui permet quelquefois de faire passer un peu la pilule, parce que c'est un petit peu délicat dans certains cas. Donc, moi, je vous propose de vous lire les passages qui m'ont vraiment marqué et d'en discuter. Alors, on commence le sujet qui m'a fait rire, hein, qui est au début du bouquin. C'est justement autour des fameuses entreprises de fast-food. Donc, on le sait, hein, c'est les leaders mondiaux. On va la jouer comme ça, hein. Donc, qui menaçait à l'époque de dégager sa société si ça s'alignait pas sur les prix d'un concurrent belge, a priori, donc qui était quand même assez connu pour leur qualité médiocre, mais surtout pour leurs tarifs très agressifs. Donc l'enjeu était d'importance pour nous, dit-il, car plusieurs lignes de production de l'usine fonctionnaient 24 heures sur 24 uniquement pour ce client. Ils avaient investi donc dans sa société des millions dans ces lignes donc ultra modernes, bien sûr à crédit, et donc une dette ça se rembourse comme il le dit, donc ils ne pouvaient pas perdre le marché. Donc il vous raconte comment ça s'est passé à peu près. Donc le directeur commercial: on est arrivé au point de rupture avec l'acheteur de X. Si on ne baisse pas nos prix sur la dosette de moutarde, on perd tout le marché et ça, on ne peut pas se le permettre. Le directeur de l'usine,
Qu'est-ce qu'on peut faire? On est censé mettre de la moutarde de Dijon dans les dosettes et on ne respecte pas vraiment le cahier des charges. On devrait appeler ça de la moutarde forte, hein, et encore. Votre serviteur, donc le fameux Christophe Brusset, j'achète déjà les graines de moutarde les moins chères que je peux trouver. J'ai même fait venir d'Inde deux conteneurs de toutes petites graines et en plus pourries. Je ne peux pas baisser la qualité, on est au plus bas. Pareil pour le vinaigre, on est au ras des pâquerettes. Le directeur commercial. Un Belge aurait fait une offre 8% moins chère. Tous les autres, oh les Belges. Le directeur commercial. Et si on baissait le grammage? Le directeur de l'usine. On est à 5 grammes, c'est pas lourd, tu veux descendre à combien? Le directeur commercial. Assez pour gagner au moins 8% du prix. Votre serviteur. Si la baisse de prix doit être entièrement absorbée par la moutarde, alors il faut baisser la quantité d'au moins 15 ou 20%. On va se retrouver avec une dosette de 4 grammes. Le directeur commercial, ok pour 4 grammes, mais faudra régler les machines au plus juste et arriver à consommer moins de 4 kg pour les 1000 unités. Si on arrive à 3,95, ce serait mieux. Votre serviteur, mais le client va rien dire si on baisse le poids de 20%. Vous imaginez, là on parle quand même de baisser le poids d'une dosette de 20%, c'est quand même énorme. Hein. Le directeur commercial, il paie à l'unité et il donne une dosette si le client en demande avec ses frites. Il se fout de ce que contient la dosette, il veut juste que l'unité coûte moins cher. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont pu conserver donc leurs précieux clients et qu'aujourd'hui, et je suis sûre qu'il y en a qui vont dire « Ah mais oui, tiens, bizarre !» Par rapport à peut-être il y a 15-20 ans en arrière, dans les fast-food, finalement, on a besoin de 3 ou 4 dosettes de ketchup, mayo, moutarde ou autre, alors qu'avant, une suffisait ou deux suffisaient amplement. Comme vous savez en plus, pour certaines dosettes, c'est qu'elles sont vendues à l'unité. Donc le fait d'en consommer plus, finalement, le fast-food, bah, il s'y retrouve. Et c'est exactement ce qu'il dit dans son livre. Hein. C'est qu'il dit que justement, ces dosettes sont vendues à l'unité. Vous comprendrez aisément que si les consommateurs ont besoin de plus d'unités pour satisfaire le même besoin, c'est tant mieux pour nous. Et tant mieux pour le fast-food aussi. Ça a été à peu près la même chose pour finalement d'autres produits. Hein. Il parle des épices en flacon où c'était un petit peu plus compliqué. Parce que ben, comme les pots sont en verre, c'est assez visible hein, si la quantité elle est diminuée et ça fait mauvais effet. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il le dit clairement, hein, ils ont fait comme Amora. Ils ont redessiné le flacon pour réduire le volume intérieur de 10%. Et finalement, 10% ça a l'air de rien. Et au final, eux, ils sont gagnants derrière. Donc il explique aussi à un autre endroit dans le livre que c'est quasiment pareil en fait pour le poids des produits que vous allez acheter. Notamment pour les princes de Lu, pour tous ces gâteaux-là, où au final, si on regarde bien, on a moins de gâteaux qu'avant dans les paquets, on a moins de produits dans les paquets. Donc là-dessus, je vous encourage vraiment à observer ça quand vous faites vos courses, parce que vous verrez la différence. Donc finalement, ça met vraiment en exergue ce que je dis souvent, c'est que on est vraiment dans cette industrie agroalimentaire à la recherche donc, du profit, du bénéfice, et ça coûte que coûte. Et malheureusement bah c'est pas du gagnant pour nous mais c'est du gagnant pour eux. Deuxième passage qui m'a un petit peu interpellée, même si moi je le sais déjà d'ailleurs, au passage je vous invite aussi à lire le livre de Corinne Bouget sur les additifs alimentaires. Bon, c'est pas grave, en tout cas c'est le livre sur les additifs alimentaires qui est vraiment top de Corinne Bouget que je vous encourage à avoir et qui va vous permettre justement, si vous commencez à lire les étiquettes, à un petit peu déchanter. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais oui, peut-être. En tout cas, lui, il explique que certains additifs sont comme du maquillage, et oui. Ils ont une action superficielle sur le produit en jouant sur l'esthétique au sens le plus large, sans modifier sa structure. C'est typiquement le cas des colorants que l'on ajoute à du concentré de tomate marron pour lui redonner une rougeur appétissante ou à de l'eau pour la faire ressembler à du jus d'orange. Donc vous avez compris, quand vous achetez votre jus d'orange au supermarché, regardez la compo derrière parce que vous allez voir que très souvent on a beaucoup d'eau dedans. Finalement, les colorants sont partout. Certains sont naturels comme la poudre de betterave, la cochenille ou les extraits de certaines plantes. D'autres sont de pure invention de la chimie moderne. Donc il y a même un entre-deux hein, avec des produits qui sont naturels mais qui vont subir un traitement chimique comme le caramel au sulfite caustique, le E150B, ou l'ammoniac E150C ou au sulfite ammoniacal E150D.
Ce qu'il faut noter avec les colorants, c'est qu'ils n'apportent rien de positif aux consommateurs, au contraire. Leur rôle est de masquer les défauts ou de rendre joli un produit de piètre qualité. Vous avez quand même entendu juste avant qu'ils donnent une couleur rouge au concentré de tomates qui sont pourtant d'origine marron. Donc en gros, quand vous achetez vos concentrés de tomates industriels, ben vous avez compris, hein, on a des tomates pourries quoi. Donc voilà, mais bon, c'est un peu chimique quoi. C'est-à-dire qu'on va y mettre un petit peu d'additif pour donner une belle couleur rouge, un petit peu d'additif pour donner la sensation de goût de tomate et puis... Emballer, c'est peser, comme on dit. Hein. Donc finalement, voilà, hein, on masque les défauts, on rend joli un produit. On pourrait parfaitement s'en passer sans que l'humanité n'ait à en souffrir le moins du monde. De plus, une bonne partie d'entre eux est connue pour avoir des effets allergisants, irritants, voire pour les plus chimiques, potentiellement cancérigènes et mutagènes. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'on fait une altération génétique. Hein, c'est qu'on vient vraiment, de par toutes ces mutations, en fait, toucher votre système. Et il dit, et je ne vous reparle pas des colorants azoïques que vous connaissez bien maintenant, effectivement. Donc là, il dit que les additifs préférés pour son service de recherche et développement, c'était justement tout ce qui permettait d'améliorer la qualité sensorielle, à faire plus de profit en augmentant aussi le poids du produit. Voilà, on ajoute des ingrédients pas chers, le plus d'eau possible, et derrière, on fait la tambouille. Il vous dit pourtant, il n'y a pas de panique, hein, on utilise des épaississants comme de la gélatine, l'amidon, le guar, la caroube ou le xanthane, des émulsifiants et des stabilisateurs. Donc le yaourt est trop cher, pas de souci, ils ajoutent de la flotte, de la gélatine, des amidons modifiés et puis ils disent plus yaourt, ils disent préparation laitière. De toute façon, vous y comprenez rien, donc ils s'en foutent et eux, ils vendent leurs produits. Voilà, donc il vous dit, pour autant, ne croyez pas que notre vie d'industriel de l'agroalimentaire est facile. Quand on met trop d'eau, le produit se conserve moins bien. Mais là encore, les choses sont bien faites. Bah, ils ont une solution, bah, les sulfites. Antifongiques, ça empêche la prolifération des champignons et autres pourritures. Des antilevures, c'est bon, ils ont leur conservateur. Mais ça va rendre les gens malades, surtout les gens qui sont sensibles. Voilà, donc comme il le dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Donc voilà, une fois qu'ils ont acheté de l'eau, des texturants, des stabilisateurs et des conservateurs, qu'ils ont travaillé la couleur à l'aide d'un colorant adéquat, bah, y a plus qu'à peaufiner le goût avec l'arôme et puis on est bon. C'est pour ça que finalement, quand vous regardez cette étiquette et que vous voyez arôme, conservateur, épaississant, dites-vous bien une chose, c'est que le produit de base, à mon avis, il était plutôt touchy. Il vous dit que les arômes, c'est un univers entier à eux tout seuls. Il y a plusieurs sortes. Il y a plein de types d'arômes différents. Il y a aussi des molécules qui sont initialement donc naturelles, qui ont été modifiées chimiquement. Hein, ça, c'est ce qu'il vous expliquait aussi tout à l'heure. En tout cas, vous l'aurez compris que au niveau industrie agroalimentaire, ils font ce qu'ils veulent et ils enfument tout le monde. Justement, en parlant d'enfumage, c'est le chapitre, je crois, qui m'a le plus choqué. C'est sur la charcuterie industrielle. Alors lui, il voulait faire un produit, il voulait faire quoi? Il voulait faire un, comment on appelle ça, un croque-monsieur. Donc voilà, il voulait faire un croque-monsieur, donc il recherchait un produit tout bête, hein, du jambon, pour mettre des tranches de jambon pour mettre dans son croque-monsieur. Et donc il a appelé une industrie qui était spécialisée là-dedans pour justement voir un petit peu les procédés et puis les prix, etc. Donc il appelle, il dit bonjour, j'ai un jambon, c'est pour un croque-monsieur, vous êtes au bon endroit, vous voulez du jambon ou de l'épaule? Bah je sais pas trop, la recherche développement m'a pas dit, quelle est la différence? Bah l'épaule c'est moins cher, mais c'est pas du jambon, qui lui est plus cher. Bon, bah alors j'ai intérêt à acheter de l'épaule dans ce cas. Oui, réduction des coûts. C'est vous qui voyez, parce qu'alors vous n'avez pas le droit de parler de jambon sur votre emballage. Ah bah si, par contre je vais mettre jambon sur mon emballage, donc du coup, bah si, je vais prendre du jambon. Ok. Vous voulez du supérieur, du choix ou du standard? Bah, le moins cher, bon bah standard. Et quelles sont vos dimensions? Parce que bah oui, quand on fait un croque-monsieur, forcément, on va pas prendre une tranche jambon comme vous pouvez les voir là dans les hypermarchés, hein. On va chercher une tranche jambon qui est carrée pour rentrer dans votre croque-monsieur. On est d'accord. Donc lui il dit, bah, moi il faut des tranches de 10 cm par 10 cm. Et donc là, moi c'est là où, vous voyez, je l'ai surligné parce que ça m'a vraiment choqué. Il dit, pas de problème, je peux vous faire des blocs de 10 cm de côté sur 1 mètre de long. What? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit quoi?
Mais à quelle heure, en fait, avec du jambon, tu peux faire 1 mètre de long sur 10 cm? Là, il y a Anguille Souroche, on est d'accord. Donc même lui, il dit quoi? Il est genre étonné. Et le mec, en plus, enchaîne en lui disant « mais le goût ». Ben, l'autre, il lui dit « bah quoi, le goût ?» Ben, je suppose que vous voulez un arôme. On met toujours un arôme, hein. Le standard sans arôme, c'est dégueulasse, c'est fade. On a des arômes jambon simple, jambon braisé, bouquet garni, herbe fraîche, fumée, paprika, poivre. En gros, il vous dit que quand il a raccroché de sa communication, lui, il était complètement abasourdi parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et il vous dit surtout qu'il n'a pas été déçu quand il a visité l'industrie. Parce qu'en fait, lui, il se posait la question, il dit « mais comment il fait le mec, finalement, pour me faire un mètre de long comme ça? C'est vraiment bizarre. » Donc, dans le process jambon, ce qu'il vous dit, ce que vous devez savoir, de grosses caisses de plastique pleines de jambon sont livrées directement de l'abattoir. La taille de ces jambons frais m'a surpris. Ils étaient relativement petits comparés à ce que j'avais déjà vu au supermarché en faisant mes courses comme n'importe quel quidam. La première étape est justement de leur faire gagner du poids. Et c'est là où vous allez tomber. Pour cette séance de gonflette, âme sensible, ça se tenir, je tiens à vous le dire, donc si vous voulez pas entendre, vous passez un peu la vidéo. Ils injectent sous pression en intramusculaire avec de très grosses aiguilles des solutions contenant des additifs. Polyphosphate, protéines de sang et gélifiants pour retenir l'eau. Sucre, glutamate, arôme et fumée liquide pour le goût. Ascorbate de sodium et sel nitrité pour la conservation. Chaque industriel a développé ses cocktails maison, c'est tout un art, son savoir-faire. Après ce traitement de choc, je peux vous assurer que les jambons ont presque doublé de volume. Ensuite, les jambons sont systématiquement décoénés, on enlève la peau et le gras est retiré, il ne reste que le muscle. Ils sont alors placés dans des moules avant d'être cuits. On leur ajoute ensuite une couche régulière du gras que l'on a précédemment retiré et on remet la couenne par-dessus. C'est pour cette raison que d'ailleurs, dans les tranches jambon que vous voyez en supermarché, toujours une couche de gras qui est vraiment tout le temps homogène. C'est ce qui va précéder là qui va vous choquer, hein. Donc attention. Les jambons industriels bas de gamme destinés au croque-monsieur, cordon bleu ou pizza surgelé subissent un autre traitement, la baratte. Les jambons sont désossés, décoénés et dégraissés. Ce qui reste, donc le muscle, est mis dans une baratte industrielle. En fait, c'est comme une énorme bétonnière en inox, hein, le baratte. Les muscles sont longuement malaxés dans un bain additif jusqu'à ce qu'on obtienne une sorte de pâte. Et après, et là, genre, il vomit rien que le dire, il coule la mixture dans des moules. Donc, pour notre ami qui voulait faire des croque-monsieur, 1 mètre sur 10 cm. Et hop, il fout ça au four. Donc, pour finir, ces barres alimentent des trancheuses automatiques d'une cadence de plus de 60 tranches à la minute. C'est beau la techno. Donc, j'ai envie de vous dire qu'après, ils font le fumage. Donc ça, c'est pas de la fumage en mode, ils vous font ça... excusez-moi, c'est horrible, mais ils vous font pas ça dans un feu de bois. Hein. Ah non, ils font un fumage liquide. Donc, c'est un arôme qui ressemble à du goudron, qui vont diluer, injecter la mixture obtenue dans un produit jambon, bacon, poitrine, saucisse. Voilà. Vous avez toujours envie de manger des croque-monsieur? Vous savez, il y a un film avec le Louis de Funès que j'adore, et en fait c'est exactement ça. On est vraiment dans... dans le film, il y a cette industrie là qui fait des plats tout prêts, hein, c'est avec Coluche d'ailleurs, je crois que c'est l'aile ou la cuisse, pas dire de bêtises. Et où en fait ils découvrent une industrie où les mecs ils transforment tout et où en fait on a des additifs à gogo pour donner du goût au plat. Mais en fait c'est vraiment ça. Et en fait moi quand je suis en lecture de ce genre de truc, parce que moi je savais plus ou moins que ça existait, mais je ne savais pas comment y procéder. Et le fait de l'avoir lu, moi ça m'a vraiment perturbée. Donc voilà, je trouvais ça important de vous lire ce passage là aussi. Je finirai avec, je ne vais pas vous lire le livre en entier, mais le passage sur les histoires de fesses. Alors ça c'est vraiment, alors c'est pas l'histoire de fesses, les fesses, hein, c'est l'histoire des fesses où ils ont retrouvé en fait des excréments de rats avec des poils dans des tonnes de piment flex. Donc ça c'est un piment séché en brisure qui ont été mal stockés, a priori chez le fournisseur indien. Et qui, donc on a eu des rats et des souris qui ont laissé des poils, des crottes un peu partout, donc une véritable catastrophe, hein, quand on lui annonce la chose à l'époque. Et que bah, c'est toute la marchandise qui est dans le sac est pleine de crottes de rats, donc ils tamisent, ils retamisent pour essayer justement de nettoyer le contenu, mais le problème c'est que comme tout fait la même taille, en fait ils n'arrivent pas à vraiment percevoir. Et donc ils vous disent, on a déjà tamisé, ventilé tout l'eau, les poils c'est ok, ils sont légers, on a presque tout enlevé, c'est-à-dire qu'il en restait. Mais les crottes sont de même taille, même densité que les graines, et que les gros morceaux de piment, impossible de les retirer.
Et là, il a son patron qui lui dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Donc, en gros, je vous passe les détails, mais en gros, il décide, alors je vais retrouver exactement le passage, de tout broyer, hein, voilà, au plus possible, de broyer vraiment au plus possible les piments, pour avoir une particule qui sera inférieure donc, au dixième de millimètre, comme ça ils vont atomiser, comme ils disent, toutes les crottes, hein, les faire disparaître, même les poils qui pourraient rester. Et puis, ils vous disent qu'en fait, le problème, hein, sur les matières étrangères qui peuvent être retrouvées dans les analyses, et là, en fait, s'ils atomisent tout en broyant tout, ils vont se retrouver avec un taux de matière, du coup, qui va être super élevé par rapport à ce qui est autorisé. Donc, ça va se voir à l'analyse. Donc là, ils disent, oui, bien vu, il faudra analyser le lot après fabrication, et si on est trop élevé en matière étrangère, mélanger avec un lot de piment en poudre de bonne qualité. Voilà. Donc, ils vous disent que ça a marché, qu'ils ont réussi leur procédé, et qu'en plus par la suite, bah forcément, hein, vu que ça a fonctionné, ils ont permuté ça sur d'autres lots d'épices de Turquie, d'Égypte, contenant des fientes d'oiseaux, du poivre d'Inde ou de Chine, avec ces mêmes crottes de rats et de souris, des mégots de cigarettes et divers déchets. Certains lots que nous avions refusé d'acheter tant ils étaient pollués nous ont même été reproposés par des vendeurs indiens, chinois ou autres, une fois broyés, traités et dilués pour être conformes aux normes. Voilà, donc il vous dit que lui, il n'a plus jamais consommé d'épices en poudre, et ben moi je pense que ça y est, je vais y aller dans cette direction-là. Ça devient grave. Mais oui, on en est là. Après, la fameuse tomate hein, d'industrie pourrie qu'on colore pour éviter justement la tomate moisie chauffée au maximum pour éliminer le plus possible de traces. Hein. Donc on évite tout ce qui est levure, moisissure, puis on lui remet des petits colorants derrière, un exhausteur de goût, puis en avant, guingant, c'est emballé, c'est pesé. Il y avait aussi l'été chinois, hein, blindé de pesticides, donc ça aussi c'était plutôt pas mal. Il y a eu toute l'histoire aussi, et c'est aussi pour ça qu'il a écrit ce livre, hein, autour de la viande de cheval qui avait été retrouvée donc, dans les plats surgelés à la place de la viande de bœuf, où il vous explique clairement qu'on vous prend pour des cons, parce que clairement en fait c'est quand même, il explique assez bien dans son livre, problématique de passer à côté en fait d'une telle chose. Finalement quand on voit tous les process qui sont menés dans l'industrie agroalimentaire, comment on peut passer à côté du fait que c'est pas de la viande de bœuf qui est achetée mais de la viande de cheval. Donc il explique toutes les codifications qui sont utilisées pour brouiller un peu les pistes, mais il vous dit que le mec qui est à l'origine et qui achète la viande, il est pas débile et il sait très bien ce qu'il fait. Donc il vous explique vraiment tous les dessous de cette affaire là, je trouve ça assez fou. Et à la fin du livre, il vous donne un petit guide de survie en magasin, parce que oui, quand on arrive à la page 281, autant vous dire qu'on est complètement dégoûté, qu'on n'a plus envie de faire ses courses à l'hypermarché, ce qui en soi est une très bonne chose entre nous, mais effectivement on ne sait plus trop comment s'y prendre. Donc lui il vous explique que la première chose à faire, c'est de surveiller les origines, donc de favoriser les produits locaux, régionaux, nationaux et ceux qui viennent de pays avec une culture éthique et une culture hygiène de qualité développée, des normes contraignantes. Moi je ne saurais que vous dire de faire la même chose. C'est vrai que là pendant le Covid-19 on a eu tendance à justement aller plus vers les producteurs locaux, ce qui était très chouette, et là la tendance elle est en train de se réinverser, ce qui est vraiment dommage. Donc en fait s'il vous plaît, retournez vers vos producteurs locaux, franchement prenez soin de vous et prenez soin de votre santé en fuyant absolument les hypermarchés, les produits alimentaires chinois qui sont à moindre coût, certes je comprends, mais qui vous empoisonnent sur le long cours. Donc ça c'est vraiment le premier conseil qu'il donne. Deuxième chose, voilà, il vous dit d'éviter les premiers prix, hein. Je sais que c'est socialement difficile, il dit, mais malheureusement la qualité elle a un coût et il a raison. Après je pense que si vous faites un tri dans ce que vous mangez et que vous enlevez peut-être les sodas, les friandises, les pâtisseries, les viennoiseries, toutes ces choses-là, et que cet argent-là vous le réinvestissez dans des fruits, des légumes de saison, on peut s'y retrouver, et je pense d'ailleurs même que je ferai une vidéo pour vous montrer que oui, c'est possible. Voilà, en tout cas là-dessus, il dit qu'il vous déconseille fortement d'acheter les premiers prix. C'est pas les meilleurs rapports qualité-prix. En conseil 3, il vous dit de privilégier les grandes marques. Pour un type de produit donné, vous avez généralement le choix entre une entrée de gamme, la marque du distributeur et une grande marque, et les prix sont croissants, bien entendu. En réalité, les entrées de gamme appartiennent généralement aux distributeurs, mais sont commercialisées sous une marque différente pour ne pas associer leur image à des produits de piètre qualité. Et comme je viens de toute façon de vous conseiller de les éviter, le choix du consommateur averti se borne à la marque du supermarché, enfin la version assumée versus la grande marque.
Les produits de grandes marques sont dans la grande majorité des cas de meilleure qualité. Les marques distributeurs sont essentiellement des copies, des clones plus ou moins réussis, des produits leaders fabriqués par de petits industriels que les enseignes pressurent. Emballage, couleur, forme, dimension, tout est plagié, même les noms, sans que les marques ne puissent dire quoi que ce soit, sous peine de perdre leur place en linéaire. Je ne suis pas un grand théoricien, mais un homme de terrain. Je parle simplement d'expérience. Ma société fabriquait des tas de produits pour des marques, des distributeurs, et je peux vous certifier qu'ils étaient toujours de qualité inférieure aux leaders, bien que nous faisions tout notre possible pour que cela ne se remarque pas. Pour arriver aux prix les plus bas, les ingrédients étaient moins nobles, les recettes les moins riches, les formats plus chiches, le process moins en point, les additifs plus nombreux. Conseil numéro 4, évitez poudre et purée. Donc vous avez appris qu'il est très facile de dissimuler les imperfections de beaucoup de produits en les transformant. Les épices de mauvaise qualité ou avec des impuretés sont réduites en poudre, comme les fruits véreux sont transformés en coulis, les légumes moisis en purée, les chevaux entiers en minerais de bœuf. Donc là, il vous dit vraiment poivre en grain plutôt qu'en poudre, pomme entière plutôt qu'en compote, prenez d'abord de l'entier, puis du morceau, et en dernier lieu, optez pour des poudres ou des purées. Il vous dit aussi d'éviter également les produits panés comme les bâtonnets frits surgelés de bouillie, de poisson ou les nuggets de pâte de viande. C'est très gras, ça apporte aucun bénéfice santé comparé à un vrai filet de poisson ou à une simple tranche de viande. Conseil numéro 5, contrôlez bien les listes d'ingrédients. Il faut être terre à terre, il dit, oubliez l'histoire qu'on vous raconte pour vous intéresser aux produits dans l'emballage et à sa liste d'ingrédients. Un biscuit de supermarché n'est rien d'autre qu'un biscuit industriel et un yaourt juste du lait fermenté. Ce qui doit compter pour le consommateur averti, c'est la qualité des ingrédients et la recette, rien d'autre. Donc il vous dit d'éviter absolument les produits universellement reconnus comme nocifs pour votre santé. Les huiles hydrogénées, utilisés comme conservateurs et agents de texture et qui contiennent des acides gras trans artificiels très nocifs pour votre organisme, surtout dans les viennoiseries, quiches et biscuits. Les colorants chimiques, la famille E100, dont certains doivent être étiquetés avec la mention, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Les conservateurs chimiques, la famille E200. L'aluminium sous toutes ses formes, neurotoxique, pouvant être utilisé comme colorant E173. Ou comme épaississant sous forme de sulfate d'aluminium, de E520 à 523. Il vous dit aussi également de vous passer des produits qui ne vous apportent rien et peuvent causer des désagréments. Le glutamate monosodique, monosodium glutamate et dérivés, E620 à 625. Les édulcorants intenses comme aspartame et cyclamate, E951 et 952. Tous les produits épuisés comme les gousses de vanille qui contiennent des traces de solvants organiques cancérigènes. Donc quand c'est possible, extrait naturel aux molécules artificielles, évitez tout ce qui s'appelle substance identique au naturel, parce que là on va vraiment faire croire des conneries, donc vraiment c'est faux. Et voilà, on évite vraiment tout ce qui est chimique. Vérifiez les emballages, focalisez-vous sur le contenu, le produit, pas le contenant. Votre attention doit être tournée sur ce que vous allez avaler, pas ce qui viendra encombrer vos poubelles. Évitez à tout prix les emballages en plastique dites oxo-bio ou oxo-biodégradables. Ils ne sont pas réellement biodégradables mais fragmentables en micro-particules, généralement à base de polymères synthétiques très polluants. Donc n'achetez pas les emballages qui font écolo sans lettres, comme une feuille de papier Kraft collée sur un film plastique. Il vous dit que c'est du vécu. Voilà, c'est pas du tout recyclable et en plus ça va associer des composites dans votre alimentation qui seront mauvais pour votre santé. Contrôlez les dates limites, que ce soit la DLC, la date limite de consommation, ou la DLUO, date limite d'utilisation optimale, qui sont vraiment pas toujours fiables. Méfiez-vous des labels, difficile de s'y retrouver tellement ils sont nombreux. Certains des produits où ils bossaient étaient certifiés bio, Max Avelard, Halal, Kacher, produits de l'année, qualité garantie, origine Provence, et il en sort de nouveau presque tous les jours. Voilà. Donc il vous dit évitez d'ingurgiter trop de pesticides ou de consommer des OGM, donc pour ça le label officiel AB tout simplement, et puis EcoCert qui sont les meilleures garanties. Vérifiez les étiquetages, on le sait, ça c'est très important de les vérifier parce que une étiquette sur 5 pose problème a priori, ça, et n'hésitez pas à regarder, méfiez-vous aussi des techniques du Nutri-Score, apprenez à lire les étiquettes, c'est mieux. Faites de votre pire ennemi votre meilleur allié. Voilà, il parle d'un fameux Julien Diva du marketing qui perdait jamais une occasion de marteler les trois grands principes de son art.
Voilà, tout le monde croit ce qui est marqué sur l'étiquette. Le second est que l'idée que l'on se fait du produit est plus importante que le produit lui-même. Voilà, donc évitez un petit peu de vous faire embrigader par les emballages, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vraiment vous aurez trouvé de nouvelles pistes de réflexion. J'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté non plus, c'était pas l'objectif. Mais l'objectif, c'était vraiment de vous dire oui, vous êtes fou d'avaler ça. Voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on puisse ensemble bien expliquer que oui, ce genre de pratique, c'est quelque chose de connu et reconnu, que ça existe bel et bien et que non, nous ne sommes pas dans l'aile ou la cuisse.